J'aurais pu. C'était un choix. C'était le Heimer Mutant. C'est jamais Heimer Mutant. Heimer Mutant, il est bien si j'avais pas Shojin. Ça sert à rien d'avoir de la réduction de mana, de la régène de mana, un item de mana et juste un Rabadon. Tu fais pas de dégâts. Ça sert à rien. Dommage, hein, j'avais fait le mode game. Je suis un peu déçu de l'outcome. Ta Vex faisait R de toute façon avec ta front. Ouais, je suis d'accord, mais j'avais besoin de Arcanis quand même. Parce que bon, Malzahar il faisait pas de dégâts si. Et Malzahar c'était juste un holder, donc c'était soit on jouait Malzahar 3 et on verrait, on voyait, et soit. Bah, en mid-game était bien, après j'ai eu Mundo, Zac 2. En fait, quand j'ai Mundo, Zac 2, Lissandra 2. Bon. On pas jouer 1000 trucs. Allez, c'est parti, nouvelle game. Ta game s'est effondrée quand t'as vu le nombre de victoires. Non, mais j'ai essayé de swap, hein, les gars. Genre, bien sûr, j'ai vu le nombre de victoires, mais bon, je veux toujours en trouver un en ce moment. C'est juste que. Enfin, vous comprenez le setup que j'avais. Là, bon, ma compo était bien au level stage 4. Mais... Si j'ai Malzahar 3, on aurait pu faire des trucs. Mais... Fuck, AES aussi. Père de Ziggs. Avec Singed, ça pas trop. Camille, elle est bien. Bon. Il gagne à deux. Même Singed gagne tout seul, je crois. On a quoi? On a GA, Arc. GS. GA, j'aimais bien, mais c'est devenu un peu moins fort maintenant. En early game, c'est fort, GA. En fait, GA, tu bouffes la Bramble. C'est ça qui me fait chier. Salut Blaster, ça va et toi? Pas besoin de rester. Parababap. Any Scrappy? Je sais pas qui mettre là, je pense qu'il y a bien mieux. Meilleur standalone. Meilleur spell d'or! Let's go. Last Whisper est useless maintenant? Non. Oh la chance, il a le petit scarabée! Oh, il a thrill en plus, merde, il va tout me prendre lui. Il y a un mode où il me perfecte, non? Si tu. Oh. Si Singed tuait l'autre Camille, c'est perfect. Let's go. La Swissoir, c'est toujours très bien. Ouh! Beau pack, monsieur. Beau pack, monsieur, beau pack. Ah, mais je peux pas tout acheter ici. Parce qu'il y a GA, Lissandra, mais j'ai pas du tout Morello, c'est un peu dead. Oh, il est trop mignon, les Yordle. Salut, les gars. Est-ce que c'est pas une ville endgame Trundle? Il a Thrill, lui aussi. Attends. Celestial, Thrill. Ok, Sunfire. Allez, on peut tuer quelqu'un là, messieurs les thrills? Mais putain, on prend un perfect.
Oh là 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 là. Ouais, je fais Soulfire premier item, rien à foutre. Ah, c'est... Là, je perds un 4 scrap, ce qui est très dommage. Là, je perds Illaoi, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Et Vi, on s'en fout pas, je pense. La diff entre Ezreal 1 et Ezreal 2 est insane. Alors, le problème de Ezreal, c'est que si tu as un mauvais setup en early game, il sert à rien parce qu'il fait pas de dégâts et il swap de focus tout le temps. Donc, être en loose streak avec Ezreal sur ce patch, c'est une catastrophe. Mais je vais pas rentrer Ziggs, donc ça va là. Gain. En fait, il y a un côté de moi qui a envie de faire Runan au vu de la case, et un côté de moi qui va faire Sunfire pour gagner des runes. En fait, la Sunfire a trop de value en early là. Il y a un seul joueur qui a pas thrill, deux joueurs qui ont pas thrill. Tiens, belle 3 gold, je fonce dessus. Putain, en plus sur Trundle, quel con. Une Spat Challenger sinon. Ah, je vais faire. On va mettre ça sur Trundle. Dès que je trouve un nouveau Trundle, on le mettra le gear. C'est pas mal. Bon, alors, est-ce qu'il y a d'autres genres de Trundle reroll? Faut voir les items aussi. En vrai, peut-être. Ouais. Hein. What? C'est est-ce que je reforge la belt? Faut que je reforge la belt. Il faut que je rumble, c'est trop fort. Ça peut me niquer ma game. Hein. Non, 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 je veux pas. Je veux pas. Impossible. Merde, je mets le temps. Thank you. Il joue Trundle Reroll, pas classe là. Moi je le troll. Troll des cavernes. Alors c'est quoi la compo au complet? C'est 4 scraps, c'est ça? Trundle, Echo, Janna, Vi, Taric. Et Ziggs? Blitz. On perd un palier, c'est pas grave. Les monkeys du chat? Comment ça, les monkeys du chat? Parce que j'ai rendu Trundle? Any monkey? Non, mais là je suis bien, ouais. Peut-être prendre ça d'ailleurs. Okay. Any monkey? Alors j'ai vendu le Trundle parce que si je voulais jouer fast push Trundle, la Sunfire était très bien, mais j'aurais dû reforge la Sunfire ou la belle sur Trundle 2. Le fait de. En fait, il y a quand même 99% de chances que je trouve Trundle 2 dans cette game, donc c'est pas très grave si je l'ai pas. Donc là, après, je l'ai retrouvé. Et si on arrive à avoir Sunfire, en fait, je casse tous ceux qui ont Thrill of the Hunt. Parce que du coup, mon tank, il va pouvoir aller mettre de l'anti-heal. Donc même si les ennemis font des kills, je nique leur augment, en fait. Et c'est pour ça que pour moi, c'était super obligatoire dans cette game d'avoir Thrill of the Hunt. Pardon, d'avoir Sunfire pour pouvoir les casser, justement. Ok, nice. C'est la QSS. Ça, c'est de la merde. Ok. Et on est bien avec les rolls. Tir. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir Négatron, Négatron, Négatron. Attends, j'ai besoin de 3 Négatrons là? Il
Il forge la tire, ouais, mais je fais quoi avec la... Attends, mais il faut que je fasse un truc là, non? C'est du trop. Attends, y a pas 4 items sur les scraps aussi? Un item Echo, un item Blitz, un item Janna? Je peux mettre des tirs sur Echo dès que j'ai 4 scraps. Hein. Si? Ok. Non, parce qu'en vrai, la probabilité d'avoir un Négatron sur un reforge de tir est quand même extrêmement faible, on va pas se mentir. C'est un peu dégénéré de faire ça. Oh! Oh! Trundle Coco! Ce qu'il a mis! SM Orc. Après, je pourrais faire Oge, mais bon. Blitz, Ez? Est-ce qu'on lâche des rolls? On a quoi? On a des paires, hein. On va y aller, on va roll up. Ok, des paires. Parce que là, moi, je vois bien ça, ça. Et on met petit tir sur Echo. Après, j'ai perdu Singed 2. Je mets tir sur Echo et je hold le reste. Sunfire sur Tariq. Merde. Peut-être que Singed était la clé. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'ai pas de Négatron? Est-ce qu'il y a un plan de secours avec ces items-là? Bon, sinon je peux faire un IE sur Trundle, mais c'est pas aussi fort. Je peux faire Runan IE. Je joue Jinx, Urgot. Non, 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 là je joue Trundle, les gars. Il y a peu d'autres options. J'ai le setup Trundle, j'ai un bon early. Je veux. Non, mais Yone. Non, mais évidemment que je veux jouer Yone, mais. Là, je veux pas jouer Yone. Alors, oh, réfléchissons bien. All healing and shielding on your units is increased. J'ai du shield via scrap et j'ai du heal via Tariq. Loco. Ça, je gamble pour avoir l'item que je veux. Enforcer, j'ai Vaille et je veux pas avoir Enforcer de la game. On est d'accord que le shield marche avec scrap, hein. Ah putain, mais comme j'ai scrap, avoir un item de plus, c'est pas mal aussi. All healing and shielding. Healing. Shield, c'est sur les 4. Heal, c'est sur Tariq. Et j'aurai Janna derrière. Non, mais c'est ça. Ouais. C'est une question de tout. C'est évident. Janna, Tariq, heal, tous les autres shield. Et ça se trouve, en 4-6, je vais avoir un truc plus un scrap. Je joue 6 scrap et. On est les faire ailleurs, quoi. Bon, alors je crois qu'il y avait Bronk, pardon, qui joue peut-être. Aha! Et il est en Underdogs, donc il roll des trucs lui aussi. Qu'est-ce qu'il joue, mon bro? Ouais. Ça aurait été pas mal si j'avais Thrill of the Hunt. Thrill of the Hunt avec First Aid, c'est quand même pas mal. Regarde, le travail de la Sunfire. Hein. Parce que du coup, même s'ils font des kills, ils se régènent pas beaucoup, donc ça sert à rien. C'est comme s'ils avaient pas d'augment. Et en plus, je brûle tout le monde. Ah, c'est vraiment le meilleur item qu'il fallait faire. Hein, je regrette pas du tout. Parce que là, j'aurais pu avoir Runan et rien d'autre, et j'aurais perdu tous les runes. Sunfire me fait gagner la game, là. Et là, il faut prier. En ping un truc de fou. Bon, sinon, j'ai quand même le plan B, c'est de faire IE. Hein. On va pas se mentir. Ah, mes arcanistes, ils voudront tous, là, avec Snegatron. Oui, de une. Mesdames et messieurs, de une. Alors j'ai une question dans le chat, vous allez y répondre. Est-ce que je fais Runan, BT ou QSS? Sachant que, et je vous donne un autre argument, que l'arc en scrap sur Trundle fait tout le temps un bon item. Gant et BF, peut-être pas. Moi je dirais, on garde l'arc en scrap, même si le Runan est très fort. C'est dur, hein, comme choix. Parce que Runan est de loin le meilleur item, mais... Non, je pense pas, il faut faire Runan quand même, les gars, parce que BF, ça peut faire Giant Slayer, Deathblade, IE... Non, je pense qu'il faut faire... On va faire ça. Runan, en fait, Runan, un Trundle qui bouffe de l'AD et qui spread, je peux pas m'en passer. C'est bien. On va gamble un peu, mais le Runan est tellement balèze sur Trundle que tu peux pas t'en passer.
Vous l'avez vu, on a fait un top 1 presque 100 PV avec triple Runan. Donc... Runan diff. Mais comme j'avais... Ah oui, comme j'ai first aid, on a pu faire BT aussi. C'est vrai, ça. Any poggers? Le Swain! Un dernier. OMG. Alors, on a quoi? AP, AP, AP. Rich get richer? Oui, mais j'avais des trucs à trouver là. J'ai quand même deux grosses paires à trouver. Oh, la Gunblade! Et là, on est abattu. Alors, j'hésite à mettre le gant sur Ez pour avoir plus de shield. Peut-être c'est la tech aussi. Ouais, j'aurais dû le faire. Le truc, c'est que tant que je trouve. Parce que vu que je fais dans tous les cas BT au prochain. Bon, en vrai, c'était quand même. Ouais, ouais. Là, le moindre Shroud ou Hoge ou la Swissper peut nous mettre très très bien. Tu as acheté la Swain à la fin du round? Swain à la fin. Ah, tu parles du round d'avant? Ok, j'ai pas fait gaffe. Erreur de ma part. C'est vrai que j'achète par réflexe des champions qui ont le même cost sans trop réfléchir. Bon, là c'est le moment où notre stage était plutôt facile avec Trundle et on s'en est bien sorti. Négatron ! Négatron ! Négatron ! Négatron ! Attends, mais c'est quoi ça? Tome? Pour Reforge Tome? Non? C'est un tome quoi? Je veux quoi? Scrap? Any Scrappy? Mais attends, mais il faut que j'aille au level d'après, non? Et comme ça, on peut roll Tarik et Co et tout. Ça va être Scrappy... Scrappy qui? Scrappy toi? J'aurais dû le faire. Scrappy Tarik? Ouais, c'est pas mal aussi, Scrappy Tarik. Alors attends, j'ai besoin de 2 secondes parce que là, j'ai pas de Négatron. Est-ce que Hoge n'est pas une bonne idée du coup? J'ai quoi qui reste? Non, j'ai BF qui dort. Rédemption est pas mal du coup, non? Attends, on va réfléchir. Là, on va essayer de prendre une... Je vais aller au level 7 du coup pour rentrer 6 scrap et on roll Trundle, Echo, Tarik, Vi. Et on veut une Jaina. Rédemption me paraît pas mal. Hein. Attendez, je vais roll déjà un peu ici. Si on trouve un Scrappy... Genre, en fait, Jaina, hein, je m'en fous de Ziggs. Hein. Ouais, ok, si on trouve Jaina, on passe au level d'après. Mais Queen! Merde, j'ai roll une fois de trop. Parce que là, j'ai Rédemption qui me paraît fine. C'est-à-dire que là, je vais jouer S toute la game aussi, il faut dire ça. Rédemption a l'air safe. Dans ce cas-là, je peux mettre Arc sur lui. Et on espère trouver... Alors, soit ce sera Runan IE sur Trundle, soit ce sera... Ah bien. Faut jouer maintenant un peu avec tout le monde. 2 Echo 2 à la place de qui? À la place de Ez? En vrai, pourquoi pas. Oh, il a pas le temps de heal le Tarik, dommage. Voilà, là, en Ranjana, on explose toutes les games. Genre, typiquement, lui, en plus, il y a beaucoup d'AP dans le lobby, donc... Et le Ziggs, mais j'ai pas envie de push pour un Ziggs. Hein. Même si c'est une spike de fou, en vrai. Hein. 6 scrap, je gagne. En fait, 6 scrap, je peux mettre un item sur Vi en plus. Trust le binary? Oh, si on a binary ici, c'est la teuf. Je pense que là, on essaye de faire BT. Si on n'a pas BT, qu'est-ce qu'on fait avec la BF et le gant?
ça va affaiblir sinon ma compo. Si j'ai pas. Parce que là, BT il régène vraiment pas mal. En plus, avec First Aid là. Ah, c'est déjà nadif. Hein. Je pense qu'il faut le faire en deux temps. Il faut d'abord trouver Vitrundle Blitz, ensuite aller au level 7. Même si le level 7 est insane. Injana ? On ping des trucs de fou ? La Queen Belt ? Jinx ? Oh, y'a une Jinx. Ah, mais y'a de Négatron aussi, hein. Ok, c'était du troll. Il y avait une Jinx. Mais en fait, si je ne value pas First Edge, j'ai peur de le regretter. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un champion de plus, mais... Oh, nice. Du coup, j'ai pas envie de mettre le gant parce qu'il y a un risque qu'on ait pas ce qu'on veut. On a deux objets qui se transforment au lieu de un trundle. C'est risqué de ouf. Il faut QSS ? Ouais, mais j'ai ça en fait. Quand même pas mal, hein. 35% de heal sur un trundle full AD avec BT. Ça discute, hein. C'est pas... La rédemption fait vraiment rien, même si c'est un lobby AP pourtant. Attends, mais il se régène pas, ça marche pas. What? Oh, MF. Il dégoûte, MF. Ça fait beaucoup d'unités à roll aussi, si on roll Taric. Hein. Non, on va pas roll Taric, hein, ouais. Trop conteste. Trop conteste. Taric, c'est l'unité que tout le monde a en mid-game. Encore, c'est Clouna, c'est pas grave. Mais... C'est bien, ça. Hein. Beaucoup d'AP. Ah bien. Qui en est one off? Taric, je sais très bien que tout le monde joue. Taric. Après, ils vont mourir ceux qui ont Taric là. Très patient. Il y a 6 joueurs de AP et un joueur d'Urgot dans le lobby. Najana se fait prier. Bon, c'est le dernier round où je me permets de perdre. Après, il faut roll down. Parce que là, je grid beaucoup. Là. Mais on jouera pas Taric les roll down. Et le cœur gelé d'écho, c'est pas mal. Il manque un peu de dégâts sur Strundle quand même. Je serais pas contre un petit Last Whisper ou IE over QSS. Allez, le shield de BT. Oh là là, un PV quoi. Ok, deux. Oh, et Taric, c'est... Tu nous en veux ou... Let's go. Taric, c'était Taric 5, là, moi. Il bouge tellement. Il a fait, mais t'as bien vu, pourtant, personne ne me jouait. Négatron ! Ouais ! C'est bon, on l'a eu. Il y en a notre QSS, les gars. On s'est battu, mais... Hey, Taric ! Avoir marre, Taric. Dis donc! Wouh!
Ouais, pas mal, hein. Non, ça va, trust. En plus, j'ai même pas trouvé un Ziggs, parce que j'ai hésité à push, mais... Là, il faut que je roll down 0 et je push Ziggs, hein. C'est pas très compliqué. Voilà, prends ça, joueur de kata. Oh putain, c'est talon. Casse les couilles. Mais non, mais lui aussi, il fait écho. Mi écho. Moi aussi, je peux jouer le clown. Ouh, il faut vraiment que je push là. Bon. Mais je perds les odds de trouver Blitz et l'autre là. Putain. Maintenant il faut retrouver un Ziggs. Mais putain, mais... Mais j'y roule combien? Tiens, il y a sur lui. Hein. C'est injuste! C'est genre vraiment injuste. Et là, en plus, j'ai 6 scrap, on explose la game. C'est juste que j'arrive pas à trouver les champions. Ah, oh, putain, heureusement qu'on gagne des rounds. Hein. Attends, il est. Ah non, il est encore là. Mais maintenant, je veux Ziggs! Comment je fais? Ziggs ou Janna? J'ai pas roll pour Ziggs maintenant. Ou Jinx Karu? Oh, ok, Jinx Karu, trust. C'est tellement Jinx Karu. Là, je prends Jinx, Janna. Mais je prends Ziggs Karu s'il faut. Ah merde, j'ai pris la tire sur Blitz du coup. Ah, mais je suis con. J'étais tellement confiant que j'allais avoir 6 scrap que. Les appels se détaillent. Ziggs! Putain. Alors qu'est-ce qu'il aime bien ici? On veut value Echo 3. Zeke est lourd. Claw est très bien. Rédemption pour value le machin. RFC. Ouais, c'est con, ça. Il va taper vite. Il va mettre plus souvent son ulti. Un Ziggs! Ok, je roll pour un Ziggs. Un Ziggs! C'est pas vrai, un Ziggs! Mais non, mais pas maintenant! Deux Ziggs! Bon, j'en voulais qu'un. My bad. C'est moi. J'aurais dû demander deux Ziggs. Ça serait la commande la prochaine fois. Je vais pas vendre les... En fait, je vais pas vendre les Vi parce que Vi n'est pas contest. Et Vi 3 est légendaire pour moi. Vi 3, c'est 70% d'armor shred. Je peux pas le vendre. Mais quoi? Mais du coup, je peux pas push! Ah, ça casse les couilles, hein. Combien j'ai roll? Pourquoi cette situation arrive maintenant? J'ai roll depuis que j'ai 70 gold dans Rich Get Richer. Pré-push? Ouais, bah vas-y. Super, cool. Ok, et là, on va avoir Janna, je suis sûr. En fait, le truc, c'est que là, il y a 3 Janna. Il y a 4 Janna, il y a 5-6 Janna. Il y a 7-8 Janna, donc en fait je peux pas aller au 7 pour gamble Janna. C'était plus intéressant de roll au 6 pour trouver mes deux costs et de trouver Ziggs. Agreed. Parce que le jeu me troll. Non mais là on va la gagner la game, c'est un top 1 assuré, juste que j'ai pas Ziggs.
Ah, heureusement qu'on n'a pas push au 7 hein, dans cette game. Hein. C'était l'erreur de la game. Heureusement que je suis resté au 6 toute la partie, attentivement. Et là, on a la spike 6 crap. Et là, on est pas mal, les gars. Là, en vrai, on n'est pas encore très fort. Hein. Je vous ferai bien. Juste, je veux pas de Janna dans, le pré-push. Je pète un câble, sinon. Légendaire, Frozen Heart Echo. Bah, RFC, Frozen Heart, c'est peut-être pas la tech, mais... En fait, ce qui est bien avec Echo, c'est qu'il bouge pas, il remet son ulti, du coup ça boost Trundle. Ok, nice. Donc on a 1, 2, 3, 4 items. On pourra en mettre un sur Ziggs. Et on peut mettre une Warmog. Qui prend Warmog ici? Tarik qui nous heal plus, Blitzcrank qui grab plus. C'est Blitzcrank. Ou une Jinx, pré-push Jinx, c'est vrai, mieux. Echo il ult plus. Ouais, mais je pense que là on a besoin de front. Hein. On a 1780 de shield. Pas mal, hein. Est-ce qu'il y a un truc qui scale avec les HP dans ma compo? Je pense pas, hein. Ça, c'est dégâts magiques. Non. Il y a la rédemption. Non mais lui normalement il casse deux fois si je mets Warmog. Non? Après t'as vu qu'il a vraiment des résistances de port aussi. Mais bon, lui c'est 3, quelque chose se passe pas. Ah oh, merde c'était lâche quoi. Il doit faire le tour en train de... Mais ce qui est bien en 6 crap, c'est que normalement la Lux a pas trop de reset. Mais après, une fois que les shields partent, faut vraiment faire gaffe. Quoi. Il faut Janna encore. En vrai, sans Janna. Pogger. Putain, on l'a eu. Hein. Ah, là, on est imbattable. Prochain level, je rentre Orianna, je pense, ou Skola. Et... Contre lui, il peut rien faire. Ah! Ok, ça peut être chiant ça. Ok, Lulu 3 avec 3. Attends, on n'a pas gagné ça. Comment je me positionne? Parce qu'il y a un petit monde où là je vois un truc. C'est qu'en fait là on tape Vex direct. Mais si je passe ici, il fait ça en fait. Il défonce Lulu et après il avance. Et là en front, je pense qu'on peut avoir du mal. Lulu 3 avec 3. Shojin, Morello, Spellcrit, Malzahar. Ah, il a Ascension en plus. Ah, il a tous les éléments pour me battre. Hein. Et level 9. Ouais, on va faire ça du coup. C'est lui qui attend autant là? Parce que si je mets mon Trundle là, il va faire ça et il va arriver là. Si je mets mon Trundle là et que je le bloque ici, il faut quelqu'un qui avance. Parce que Blitzcrank il hook. Il faudrait que ce soit Tari qui avance de là à là. Comme ça, il va faire clac clac, il va taper le Swain et j'ai une chance sur deux pour y aller sur Janna. Ça, on peut le laisser là du coup. En plus, il était plus fort en plus. Hein. Oh le GS, putain de merde. Zephyr. Zephyr ou GS? Non, en fait, en vrai, il est encore plus fort qu'avant. Parce que tout à l'heure, il avait Malzahar, là, il a Victor. Et Victor, son sort, il casse des shields en fait. Et je suis full shield. Je fais ça.
Ouais, je peux rien faire contre ça. Après, le Trundle stack vraiment tranquille, hein. Il a une bête de position. Mais bon, ah, Victor 2! Oh, je peux pas gagner ça. Impossible. Victor 2, c'est le counter de Scrap. Impossible. Parce qu'en fait, il met un ulti. En plus, il a ascension. Non, il se plaint. Metalide. Je pense que je vais gamble d'item déco. Hein. Ah bah si. Ah le Runan. Ah, de mal. Putain, j'aurais dû Zephyr. Pas pensé. Ouais, Zephyr Blizz. Dommage, j'ai essayé. Oh, c'était des bons exercices de TFT, ça. Genre, c'était des bons exercices de voici la situation, essaye de faire du mieux que tu peux. Modulo la RNG, le reset d'aggro. Mais ouais, s'il avait mis le Blitz, j'aurais pu mettre le Blitz également, j'ai oublié. Blitz, tac, j'échoppe le Victor.